J'ai commencé la musique très jeune et j'ai une double éducation classique et j'ai appris aussi les musiques modernes sur le tas, dans des groupes, avec des amis. Vers 25 ans, je suis venu à Paris et là j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'informatique musicale, aux nouvelles technologies. À travers les nouvelles technologies, j'ai commencé à faire des musiques pour les films, pour les jeux vidéo. Pas tout à fait très net, mais je vais la régler. Petit à petit, j'ai voulu externaliser ce que j'avais appris dans les jeux vidéo, dans des installations interactives où on avait une immersion totale du spectateur qui devenait à la fois acteur, un peu comme dans les jeux vidéo, même si les univers étaient très différents. Je me suis aussi beaucoup intéressé aux musiques du monde. J'ai commencé à collectionner des instruments du monde entier à peu près à cette même époque. Petit à petit, j'en suis venu à épurer les choses et à m'intéresser à la matière sonore, avec le bambou, le métal, le bois, l'eau, l'air. Et comme il y a peu d'instruments déjà frais qui proposent ça, j'ai créé mes propres instruments. Je travaille à la fois sur la musique première par extension sur les arts premiers, proche de la nature, et aussi, je suis inscrit dans mon époque, j'ai été élevé avec les ordinateurs, donc j'utilise les ordinateurs, les nouvelles technologies, la vidéo, pour travailler sur des installations interactives. Apparemment, on peut penser que la nature et la technologie qu'on a tendance à opposer ne font pas bon ménage, mais au contraire, je pense que dans les deux cas, on a des champs d'expérimentation qui sont très vastes. Avec le vent ou avec la mer, on peut faire un infini de sons, et avec l'ordinateur aussi. Et paradoxalement, avec un violon ou avec un piano, on peut faire pas mal de choses, mais on est limité culturellement, on est limité par la technologie de l'instrument. Alors que dans tout ce qui est vraiment naturel et tout ce qui est nouvelle technologie, on a des champs énormes de création et c'est ce qui m'intéresse à explorer. Pour pouvoir travailler la musique des pierres, il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires et toutes sont très intéressantes. La première consiste à découvrir les pierres. Donc ça c'est passionnant parce qu'on est dans la nature, dans une carrière ou dans un endroit géologiquement intéressant. Je découvre les pierres, je les assemble, je prends plusieurs pierres, je vois comment elles s'accordent entre elles. Ça c'est un premier travail très intéressant. Puis ensuite, une fois que les pierres sont dans mon atelier, je vais commencer à finaliser des instruments, puis à les enregistrer. Et là, l'enregistrement joue un rôle très important. Parce que suivant le micro que je vais utiliser, l'endroit où on met le micro, on peut obtenir des résultats radicalement différents. C'est aussi à ce moment-là que je peux faire des micro-instruments en mettant un tout petit caillou sur une grosse pierre
Et en enregistrant ce son-là avec le micro d'une manière particulière, je vais obtenir des timbres absolument inouïs. L'idée du gong était assez évidente parce que les grandes pierres que j'ai utilisées, qui font à peu près 2 mètres de long ou de diamètre, me font penser au gong Kempul, c'est le gros gong du gamelan, et c'est le gong qui marque tous les grands cycles. Dans pas mal de cultures, les gongs font référence à des sons essentiels, des sons du commencement. Pour moi, les pierres sont doublement au commencement des choses, puisqu'elles sont à la fois premières, elles arrivent avant l'homme, avant la vie sur Terre, et elles sont aussi, d'un point de vue symbolique, en tant que gong, les pierres du commencement. Pour l'installation qui s'appelle Mineral Dream, qui est une installation interactive qui utilise à la fois tous les sons que j'ai pu récolter depuis des années dans les grottes, sur des lithophones, en silex, en calcaire, etc. Elle utilise à la fois donc ces sons-là et un ordinateur qui génère des compositions de manière aléatoire. Donc, j'ai utilisé le terme Mineral Dream parce que minéral évoque tout ce monde minéral. Et c'est un rêve parce que c'est très irréel de faire le tour du monde, des sonorités du minéral, juste sur une pierre qui elle-même n'a pas de son. Donc c'est un rêve, le rêve minéral. Pour les pièces lithophones et cercles de pierre, j'ai utilisé des mots très descriptifs parce qu'on a quelque chose d'éminemment sobre, dépouillé, et j'ai utilisé des mots qui font directement référence à leur fonction. Le lithophone, c'est un instrument en pierre, litho, la pierre, et phone, le son. Le cercle de pierre, ce qui me plaisait là-dedans, c'est que quand on est au centre de ce cercle de pierre, avec toutes les pierres autour de soi, on sent la magie qu'il y a à jouer avec ces pierres autour de nous, donc cercle de pierre. Le mot scarification fait référence aux scarifications de certaines peuplades qui, pour se reconnaître, utilisent ces marques. Et là, la pierre, elle, est scarifiée parce qu'elle est sciée pour qu'elle puisse donner un son, et même plusieurs sons. Je la scie de manière très brutale et très linéaire. Donc j'aimais bien cette idée-là que la pierre puisse chanter parce qu'elle avait été abîmée. Après la pierre, je vais travailler sur l'air. Je travaille d'ailleurs depuis un certain temps sur le sujet. Et je vais fabriquer des harpes éoliennes, diverses harpes éoliennes qui marchent avec des principes différents, soit à base de cordes, soit à base d'instruments à vent, comme des grands tubes. Et je travaillerai pas mal aussi sur le recyclage.
Depuis 4 ans, je travaille aussi sur l'univers de la grotte. J'enregistre sur les stalactites, sur les stalagmites, sur les draperies. Et aussi, je joue avec l'acoustique des grottes pour produire un album qui s'appelle Stalactica et qui sera bientôt terminé. J'ai encore quelques séances d'enregistrement à faire dans les grottes et il sera fini. J'ai trouvé l'univers des grottes tellement riche que j'en ai fait 2 albums. Initialement, le minéral des grottes devait se trouver dans l'album Stone, mais j'ai décidé que ce monde est tellement incroyable que je vais faire 2 albums. Un album Stalactica, uniquement dédié à l'univers de la grotte, et un album Stone qui utilisera tout le reste du monde minéral. Ce que véhiculent mes pièces musicales ou mes œuvres, je ne le maîtrise pas totalement. Celui qui va recevoir les œuvres va créer son propre univers et c'est ça qui m'intéresse. Il y a évidemment le rapport entre l'homme, la nature et la technologie qui sont implicites dans mes œuvres, mais au premier chef, ce qui m'intéresse, c'est une belle expérience, c'est vivre les choses. Et ensuite, si je peux le partager avec les autres, ben c'est formidable. Mais je le fais d'abord comme un chemin de vie personnel. Et puis comme j'ai des enfants, je suis sensible aussi à ce que je laisse à mes enfants. Higher.